Bonjour ou bonsoir à vous-même qui regardez la vidéo. Nous sommes les ingénieurs Route 26. Moi, je suis sur le plateau Génie Lacaille pour discuter d'un bel sujet pour moi, ça, qui c'est, qui j'en ai géré, qui sont des nice en nice. Je présente nos collègues, moi, comme toujours, qui c'est. Olivier Evans, ingénieur Génie Lacaille, comme nous connaissons déjà. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours présents pour nous présenter des rubriques chaque mois qui vient. Dans quatre pour nous capable apprendre des choses que soit que vous te connaissez déjà ou du moins que vous pas te connaissez et que vous apprendre nous juger que qui a bon pour ingénieur nous pas parler de drainage si donc comme OK si j'ai une question de drainage en Haïti nous capable vraiment que ça par rapport avec des inondations brutes que nous pouvons gagner c'est dans nos mêmes villes par nous qui c'est vous naïve et comment peut-être nous même nous ca expliquer et tout état de nous qui ça qui cause problème ça qui ça arranger comment nous capable prévoir le tout m'a remettre commencer tout d'abord puisque sujet à lycée et qui j'en nous gérer question drainage en Haïti me pense que il est nécessaire pour nous font parler de drainage en soi pour nous faire connaître qui ça qui drainage là donc même Jean moi dit là dès qu'on dans des drainages dans drainage ou est drainé et drainé ça veut dire tout simplement recueillir de l'eau et puis les finir par un moyen pour y aller en côté orienter pour comprendre orienter pour y aller en côté donc juste pour éviter que de l'eau ça la masse en côté pour ne pas causer des bagages qu'elle pas supposé causer et nous connaissons que de l'eau en stockage il y a plusieurs bagages que l'ICA fait l'ICA ça a causé inondation et il y a un autre aspect encore nous connaissons par exemple nous avons remarqué que surtout dans la ville de Panouvonaïve et qui sont villes qui sont pleines, qui sont villes qui sont très plates, pas grand-pile de monde là-dedans. Donc souvent, ça ou les marécages là, l'eau qui était, ça cause que on ville de Gonaïve arrive grand-pile moustique. D'accord. Vous comprenez? Donc ça, c'est toute raison qui fait que nous avons besoin de drainage. Nous avons besoin de capable recueillir de l'eau, non seulement de l'eau et l'eau qui la pluie qui a tombé, nous avons besoin de recueillir toute l'eau qui a ruisselé, l'eau qui a couru sous terre. Pour nous capables de conduire un côté, soit pour aller jeter dans la mer ou bien dans une rivière pour permettre que l'eau n'aille pas être stagnante pour ne pas provoquer inondations ou bien maladies. Donc, le drainage là en soi, c'est rendre l'eau, permettre d'y aller en côté. Question que tu as posée, hein, qui c'est. Pour qui ça nous besoin de drainage? Pour qui ça nous besoin de drainage et qui est important de drainage? Je pense que quelque part nous trouvons une bonne question ça parce que si nous disons drainage jamais qui s'allie, donc nous, le réseau qui fait nous besoin de drainage, c'est pour éviter une série de causes qui peut-être et causer même la mort. Il faut pas oublier tout ingénieur et question de drainage là, si toi en Haïti, il ne faut pas que nous-mêmes nous toujours critiquer par rapport avec l'eau stagnante, il y a toujours dit que. Bon, même dégâts pour qu'on nous fait la détériorer la route parce que nous connaissons que l'eau même c'est l'ennemi de la route. C'est-à-dire que construction en général. Donc depuis qu'on construit, ingénieur, premier bagage pour le gérer, c'est de l'eau. C'est-à-dire que faut que nous tout disions tout. Question de l'eau, lorsqu'on ingénieur nous-mêmes, si tout nous-mêmes dans l'ingénieur civil, nous fait calcul, nous toujours évaluer la quantité de pluviométrie qui gagne et mille moyenne. Lorsque nous faisons calculer, nous venons voir la quantité de l'eau qui est pour ruisseler et la quantité de l'eau qui est pour infiltrer dans le sol. C'est en vertu de ça, nous-mêmes, nous avons le droit de dimensionner l'ouvrage de drainage nous, et puis pour nous capables d'orienter de l'eau, pour nous capables. Parce qu'on dit ouvrage de drainage, vous pouvez être très important pour tout expliquer, mon qui ça qui est un ouvrage de drainage. Un ouvrage de drainage, c'est un ouvrage que nous-mêmes, en génie civil, que nous faisons qui construit en béton, ou bien tout, des fois, il est capable. Il y a un buse, oui, en maçonnerie, il est capable, donc je me disais au canal qui fait un maçonnerie de roche, il est capable des buses, il est capable d'aller tout, dépendamment. Juste pour capable orienter de l'eau, nous-mêmes pour nous capable orienter d'une manière artificielle, dans la façon que nous-mêmes nous voulons. Nous-mêmes, ça veut dire que nous capables et désorienter route là naturellement. Ça veut dire que les doigts ont un ouvrage naturel. Les routes de la rivière, voilà, et puis nous-mêmes tout nous désorienter juste pour faciliter. Et c'est même le cas à tous les ingénieurs parce que nous gagnons Marco Chevalier, Rivière. Qui vont toujours envahir et ville de Gonaïve là. Et par rapport avec l'ouvrage qui était gagné, et étant donné que ils n'ont pas fait curage, il y a trop d'alluvions, dimensionnement, pas dimensionnement tout, par rapport avec les sous-rivières, débit,
l'été bon on va me dire pour pas jambon parce que et on connaît bien ça qui les par exemple leur construit et si façon construit aujourd'hui hein, c'est pas façon construit demain parce que les populations qui ont augmenté nous gagner et croissance démographique là cap dégager nous gagner moun yo cap couper en pile pied bois faut parler de construction anarchique mais faut poser tout ça vite faire que quantité de l'eau. Vous comprenez que c'est de l'eau, les gens qui sont descendus, parfois ils ne descendent pas comme ça, parce que souvent, l'eau a changé le bouton de l'eau qui est passé, il faut qu'on fasse ça bien, il faut qu'on comprenne comment faire. Sinon, l'eau, ça, il faut retourner passer, même quand elle est passée, elle fait des gars. En plus, il faut que nous construisions une place de l'eau, dans la vie, non pas de quelle façon. C'est tout, c'est tout. Voilà, l'eau a mal barré, là, elle passe de l'autre côté, tout ça, à cause que quand c'est de l'eau qui est descendue, tout ça pour me dire qui ça, pour me dire que je ne vais pas dire que pour. L'idée mal faite pour ça arrive dans l'heure tap fait là l'idée bien dimensionnée pour lui par rapport à la quantité de l'eau que tu es condamné sans venir dans l'heure ça mais que... calcule ça ou très souvent en Haïti nous même nous pas fait ça ou les réhabilitation en pile fois nous pas faire si entretien nous pas faire c'est l'on confine crasé net on prend l'on machine l'on fait mal de c'est le ça y a ouais pour y refaire sinon il y a pas vraiment un bon sens encore tout dans le cabaye tout donc c'est toute raison ça qui cause que peut-être il n'y a pas de temps que pour ça le démérite pour le refaire déjà. Pour comment faire ou pas refaire. Et puis si on a un refaire, peut-être que deux inondations que nous connaissons, qui n'ont plus de problème dans la ville de Bonaventure, peut-être que nous ne devons pas connaître parce que c'est de l'eau ça. Les laves descendent, les bacs descendent, côté les rivières trop petites. Côté ouvrage qui ne peut pas recevoir l'eau. Pour le tout dénage, il retirer l'allusion. Ça vient de causer un cause de problème. L'eau a monté, l'inondé, il faut pas qu'il c'est-à-dire que ingénieur, ça problème inondation. Question inondation qui est passée dans la ville de Bonaventure, même l'icône plus l'été par rapport avec irresponsable. Habité, monde qui t'a supposé gérer entretien pour t'a dit que chaque année, étant donné que nous connaissons que nous-mêmes en Haïti, surtout nous-mêmes dans la zone Caraïbe là, et saison pluvieuse, ils ont toujours marqué, ils ont toujours porté, ils ont toujours très 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 menaçant pour nous-mêmes. C'est-à-dire que question drainage là, ça t'a supposé été un gros et un gros objectif, on va dire comme ça. Pour responsable pour nous avons toujours pris ça en main, pour question de virage, pour sensibiliser la population et empêcher de construire n'importe quoi. Parce que sous même sens, on peut parler à la question érosion en tout. Parce que pied-bois lui-même, lorsque la pluie a tombé, il a capté la racine dans lui-même, il a capté une certaine quantité d'eau. Ça veut dire qu'il a capté à tout. Ça veut dire que si tout le bagage n'est pas fait, est-ce qu'on est capable de l'accuser? Et c'est drainage qui était insuffisant ou bien ouvrage de drainage qui était mal dimensionné. Non, il y a un pile fort. Donc on a plusieurs aspects pour nous attaquer. Voilà. Il y a plusieurs responsabilités, l'État tout. Oui. Et même si l'État, en quelque sorte, c'est nous. Elle dit responsabilité de nous. Ni mon cap vivio, ni représentant du gouvernement dans la localité. Est-ce que vous faites travailler? Parce que plus fois, vous avez tendance à accuser l'État, le gouvernement dans la localité, on ne dit pas faire travailler pendant ce temps. Vous avez mangé, vous avez jeté fatra. Voilà, est-ce que ça? Le canal là, qui a porté de l'eau, tout le monde est là de l'eau, jeté fatra. Fatra bouché tout le temps. Parce qu'on a de l'eau montée, de l'eau en bas, on devait faire tout le temps de l'État. L'État n'a pas fait travailler. Mais l'État, c'est nous lié. Lorsque l'État n'a pas fait travailler, on ne peut pas reconnaître ça que c'est. Ou dit nous pas fait travail nous et en réalité nous pas fait travail nous voyez nous sommes pas dans la région nous voulons tout paquet de gars et puis après ça n'a pas responsabilité en l'autre mais c'est nous même qui pas fait travail c'est à dire que nous tous responsables de tous les gars qui passent c'est à dire que l'État lui-même ils sont accompagnateurs il a toujours accompagné nous par rapport avec l'ensemble de bagages est-ce que là pour nous tabac les cas nous bien clean cas c'est l'État qui vient obligé dit pour nous clean cas non pour guérison parce que nous connaissons que si nous quittons fat là nous quittons ensemble de bagages dans nous il a causé maladie ensemble de bagages c'est même gens tout pour une ville c'est même surtout pour quartier autorité ou pas obligé pour depuis automatiquement nous ouais on voit journal nous un canal c'est jeté fatra la donne puis devant OK ça arrive que au même dans bon autorité a c'est pas au même la gazette mais on doit avoir un siphon et puis bas et puis c'est ça qui cause moi ça c'est tout un enchaînement qui capable causer ensemble de cas seulement sur question drainage ça c'est et l'ingénieur si comme si bon, ben nous faisons pile parler là, nous expliquons pile bagage. Si comme si tout nous avons des recommandations pour nous faire, par exemple, oui, avec monde peut-être qui pas trop informé, qui pas comment peut comporter, c'est qui ça le tapis. Recommandation majeure, premier bagage pour nous supposé faire, c'est question fatra. Parce que
Et certaines fois, on dit que nous faisons ingénieurs confiance. C'est un gros problème. On dit que nous faisons ingénieurs confiance parce que ce sont des experts. C'est des gens qui étudient. Ce n'est pas deux jours le lendemain, ils viennent nous dire, bon là, on a fait canal pour le passé. Non. Ils ont tenu compte de plus jeunes textiles d'aléas, de basse inverse qui gagnent sur tout côté route là. Basse et question pluviométrie tout pour qu'on ait quantité de volume d'eau qu'on est capable de recevoir chaque année ou bien dans telle zone pour capable dimensionner l'ouvrage. Et après au fin dimensionner l'ouvrage ça yo, c'est nous mêmes ça dit que et malgré ça et ingénieur nous songe que nous même l'état fait calcul ça était toujours près c'est 80% ça veut dire que il faut qu'il y ait un marge, ça veut dire pour que sur curage ou toujours autre chose, ça veut dire que c'est malgré ça, malgré toute initiative ça que nous même ingénieurs civils nous connaissons lorsque n'a fait calcul ça yo, mais nous même et nous même rivre nous même habitants dans zone nous mal utiliser canaux ça yo, nous jeter fatrage nous joindre, yo vinn boucher, après ça nous vinn accuser l'état. C'est nous même et c'est nous même qui pour prendre responsabilité nous pour nous dire pour ça que et pas couper pied bois tout faut dire ça pour ingénieurs parce que ça c'est important parce que principale cause érosion. Si on a une descendre avec terre, nous avons tout dans l'ouvrage. Mais les mêmes causes érosion, on dit ça le tapier. C'est surtout un bon d'abdi pour mon yo et capable d'identifier ça et les ouvrages de drainage. Et puis laisser pour objectif que vous avez construit. Ça ne veut pas dire, monsieur le bon la caille, nous par rapport avec route qui fait là, vous avez mis comme ça, il y a un panneau horizontal et avec mettez mes zones côté yo fait côté cap pour une boîte de captage. Okay. Et puis automatiquement yo dit que pinga est stationné là, mais toujours venir stationner, ça vient faire comme les gars malgré que moun yo connaît ça. Presque tout panneau que mettez pour dire moun pas stationné sous canal là, tu rachètes tout et c'est sous canal là moun toujours tomber. Donc ça l'ont détruit ouvrage de drainage. Ou soit ou lagué bagarre dedans ou bien jeté fatra ou bien pour cause il détruit global bon problème après voilà. Donc, en gros ça ne dit c'est sensibiliser mon sensibiliser mon pour apprendre ou connaître ouvrage de drainage connaître pour qui ça vous fait protéger parce que là on va protéger mais qui ça qui est arrivé donc nous dit c'est inondation et production de moustiques, des chita là, tout le bagage va cause des maladies, moun mourir en paquet de bagages. On a suivi et rubrique Génie Lacaille qui parlait sur question et comment nous qui gérer question de drainage en Haïti. C'est ensemble avec ingénieur Olivier Evans. Nous avons discuté sur ensemble de choses pour être capable de sensibiliser la population par rapport avec ensemble de bagages qui connaît rêver. Et nous avons pris exemple ville nous Lacaille nous qui c'est naïve par rapport avec deux inondations qui étaient faites et septembre 2004 et septembre 2008 et ingénieur qui dernier mot pour tapier pour le dernier mot d'abdi qu'on a après recommandation que vous faites d'abdi tout le monde continuez et suivez Génie Lacaille, continuez à monter sur site nous qui c'est www.genielacaille.com, continuez à suivre nous sur Facebook qui page nous qui c'est équipe Haïti et puis restez en rubrique que nous avons pour début encore. Ok, merci à vous-même qui t'a regardé la vidéo ça. On a pour l'autre prochaine fois encore. C'était ingénieur Woodvens et ingénieur Olivier Evans. Merci, à la prochaine. À la prochaine.